Fantastique, et la rose au bois. Voyons, oui, la petite prête. Oui, parce que tu vas être en retard. Ouais. Céline, on est en direct dans ta loge. Pas d'allure. Et tu, te sens-tu, là? Oui, oui. Je me sens très bien. Non, écoute, je sais pas. Je suis super nerveuse, c'est sûr. Mais je sais pas trop, je comprends pas trop ce qui arrive. Puis je pense que je veux pas trop comprendre non plus. T'es pas toute là. Je pense pas d'être toute là. Est-ce que tu pensais quand t'étais petite que l'an 2000, ce serait ça? Tu vivrais ça? Moi, je voyais ça pire que ça. Tu sais, je me voyais pas être assise ici. Bon, il y a juste toi, ton outfit là, qui fait pas mal en 2000. Mais moi, je m'imaginais qu'on pouvait rentrer dans une paire de pantoufles à l'an 2000 puis dire, moi, je vais aller en France. Puis dans deux secondes, on était transportés en France. Mm-hmm. Je voyais ça bien, bien, bien cosmique, là, très futuriste, pratiquement pas humain du tout. Mais je pense qu'on a quand même réussi à garder un peu d'humanité. C'est formidable. Donc, tu n'imaginais pas ton an 2000 une soirée comme ça. Tu pensais jamais dans ta... Je pensais que ça pourrait être beaucoup plus froid que ça, beaucoup plus... intergalactique. Là. Exactement. Non, mais c'est quand même pas si mal. Là, le timing est super important ce soir-là. On ne peut pas arriver en retard, là. Moi, je peux... Oui. On se voit ici dans l'âge, j'ai une télé. On peut-tu voir la télé? Non, laisse pas, tout va. Donc, ce soir, tu peux pas, par exemple, à minuit, être en plein milieu d'une chanson, mais quand le monde va dire 10, 9, 8, 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1. Moi, je pense que c'est ça qui est un petit peu plus énervant pour moi. C'est que normalement, si je fais mon spectacle, je suis sur scène, je m'amuse, je regarde pas l'heure. The show must go on. On s'amuse. Puis que le spectacle dure 2h10 ou 2h24 ou 1h58, ça n'a pas d'importance. Mais ce soir, ça a d'importance. C'est ça qui est énervant un peu. Mais comment tu vas faire pour arriver à minuit en même temps que tout le monde? On va essayer. J'ai une télévision à gauche de la scène où ce que le gars de son... Daniel Baron, justement, qui a une télévision pas loin, puis on va me montrer l'heure. Je vais regarder l'heure de temps en temps. Et puis, j'ai des écouteurs, moi, j'ai des headphones, qu'on appelle, des petites oreillettes oui. que je mets. Ça remplace les moniteurs. Puis tout le monde va me parler ce soir. Mego va me parler, va me dire, OK, finalement, on est en retard, il faut couper cette chanson-là. Ou José qui va me parler, René qui va me dire quelque chose, Mego... Tout le monde va me parler dans les oreilles ce soir. Fait que si la tête ne me saute pas avant minuit, ça va être beau. la tête va sauter en même temps que le bouchon de champagne. Exactement. Bon, et René, est-ce qu'il y a une chanson que tu vas chanter pour lui ce soir? Oui, c'est sûr. All the way. All the way. All the way qui est notre chanson depuis toujours. Je pense que tout le monde en a une, mais nous autres, c'est celle-là. Puis c'est ça que je vais chanter. Ça, tu vas dire. Tu vas la chanter pour... Ben tu vas oublier tous les millions de téléspectateurs, tous les gens dans la salle. Ça se peut même que j'en oublie mes paroles. Excusez-moi, ce soir, j'oublie mes paroles, j'oublie des affaires. Oh, c'est ça mon cue, je pense. Bon, oh my God. On y va, Céline. T'es sûre de ta bonne heure, toi, là? Oui, là? Vraiment que t'arrives en même temps que tout le monde. T'es correct? Oui, tu sais qu'on te suit, hein? T'es pas à l'heure de la France, toi, là? Non, 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 non. C'est bien important parce qu'il y a 6 heures de différence, hein? Non, 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 on est à l'heure du Québec, puis l'heure du Québec, je vais te dire, il faut que tu y ailles, Céline. Fait qu'on te suit jusqu'à la scène. Ben, aussi, ma mère a eu 14 enfants. Après toi, Julie. Bon, on a eu 14 enfants. J'ai mes oreilles. C'est beau? T'as pas de chanteuse, là? Oui. C'est beau? Mmh. Là, Céline, c'est spécial parce que c'est la dernière fois que tu fais ton rituel avec tes musiciens et ton équipe. Ouais, ouais, ouais. J'ose pas trop y penser que c'est la dernière fois parce que c'est un peu tough. C'est ça qui me manque le plus. Je les aime tellement. On a développé, c'est une famille, on a développé beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour entre nous. Puis de les voir pour la dernière fois ce soir, ça va être un peu tough. As-tu peur d'avoir les larmes aux yeux là, dans le moment? Oui, mais on va essayer de s'amuser plus que d'autres choses. OK, ben on va te laisser tranquille pour la... Je t'aime. 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 Je t'aime.
Quel galant! Quelle galanterie! Nous autres, on est fiers! Quel galant! Qui j'ai pas fait, là? Moi! Ben! Mais go, c'est ben. Le dernier? Ben! Ah. Ben! Les filles sont faites? Ben! 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 Bizarre comment je me sens. J'ai comme l'impression que je m'en vais à mort. Non, pas tant que ça, mais je sais pas. Je suis nerveuse comme à chacun de mes shows. Je sais pas. Je sais pas comment je me sens. Il faut pas que le monde soit déçu, c'est juste ça, tu sais. Il donnait un bon show. Quand tu étais petite, tu demandais à René de pouvoir chanter toute ta vie. Aujourd'hui, la grande Céline, qu'est-ce qu'elle demande à René? Pardon. Je pense plutôt que c'est René qui me demande de venir faire du pâté chinois à la maison. Non. Sens-tu que ça commence à sentir le pâté chinois, là? Mmh. Oui, steak de dingue patate, là. Non, écoute, j'ai envie de ce moment-là depuis longtemps. J'adore ce que je fais. J'adore être sur scène. Vas-tu en profiter plus? J'ai l'impression. Il faut à un moment donné de livrer la marchandise tout le temps. C'est plus fort que tout. L'humaine, il faut que. Qu'elle prenne place à un moment donné. Là, vas-tu en profiter ce soir que c'est le dernier show? Je vais m'amuser. J'espère juste d'arriver à minuit. Puis après ça, c'est le fou. C'est le fun total. On va s'amuser. Je vais tout oublier. Bon. Puis j'espère que. Là, pour que tu rentres dans ta boîte. Oui. Là, il y a 4 boîtes ce soir parce que toi, on sait que tu rentres. C'est toi qui as brûlé le punch. T'es venu mettre ta caméra dans une des boîtes. Ils m'ont vu faire la folle dans une boîte. Ils ont dit, arrive d'une boîte. Là, ils attendent la boîte. Okay. Fait que t'entends ta boîte? Là, il y a 4 boîtes ce soir. Fait que là, il y a 4 boîtes pour mélanger le monde encore plus. Ils vont essayer de choisir. Ils vont essayer de deviner c'est quelle boîte. Dans quelle boîte okay, je suis. OK, bon, on s'en va dans la boîte avec toi. OK? Okay. La boîte est là, Céline. La boîte tantôt, hein? C'est Céline, il te reste 30 secondes pour rentrer dans la boîte. Il ne faut pas que je ferme ma boîte parce qu'il faut que je sois sûre que tu sois rentrée au bon moment. Ça va être l'enfer en dessous. T'as-tu tes lunettes? Tes lunettes? Je vais aller chercher à minuit, ils vont avoir. Je vais Je mets mes écouteurs juste en dessous de la scène. Je suis énervée, ça n'a pas d'allure. On sort mes goûts à soir. On sort mes goûts à soir, OK. C'est-tu le show le plus énervant de ta vie, là? Moi, je pense que oui. Oui? Je suis super énervée. Oui. Céline, il reste 5 secondes. Je suis désolée de te le dire. Faut qu'on ferme la boîte. On se ferme la boîte. Il faut que je m'ouvre la trappe tantôt. Bonne fin d'année. Toi aussi, ma belle. Fais attention à toi. On